De plus en plus performantes, les IA génératives de texte sont désormais capables de créer des articles, des publications et divers autres contenus tout en restant naturels. Mais comment les détecter ? Je vais vous montrer comment utiliser Lucid AI pour le faire. Le lien de Lucid AI est disponible dans la description. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser Lucid AI pour détecter des textes générés par IA, et ce, en quelques étapes seulement. D'abord, je vais vous présenter Lucid AI. Ensuite, je vais vous montrer comment l'utiliser à l'aide d'exemples concrets. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour soutenir la chaîne. Alors, c'est parti. Pour vous mettre dans le contexte, Lucid AI est ce qu'on appelle un détecteur de texte IA. Ces outils fonctionnent de manière similaire aux IA génératives de texte en utilisant un algorithme sophistiqué. Lucid AI a été entraîné sur une grande quantité de textes, qu'ils soient générés par des IA ou rédigés par des humains. De manière générale, Lucid AI tient compte de plusieurs critères pour repérer les contenus générés par IA, parmi lesquels la complexité et la fragmentation du texte. L'outil est capable d'analyser la profondeur, la perplexité du contenu ainsi que la structure et la longueur des phrases. Un point intéressant est que Lucid AI est particulièrement conçu pour les textes en français, ce qui en fait un outil très adapté à notre langue. Alors, comment utiliser cet outil ? Je vais vous l'expliquer avec des exemples précis. D'un côté, je vais copier un article que j'ai moi-même rédigé sur Worldofia intitulé « Comment humaniser un texte ChatGPT ». De l'autre, je vais demander à ChatGPT de générer un article similaire en utilisant un prompt bien élaboré. Cela nous permettra de comparer les deux. Depuis l'interface de Lucid AI, vous avez différentes options. Vous pouvez scanner un texte à partir d'un URL, déposer un fichier ou simplement copier-coller le texte directement. Dans notre exemple, nous allons créer un projet que je vais nommer « Essai détecteur ». Une fois créé, le projet apparaîtra sur l'interface. Ensuite, il vous faudra cliquer sur « Voir les textes », ce qui permettra de faire apparaître les différentes options pour scanner vos contenus. Vous pourrez choisir de scanner plusieurs textes en même temps ou vous concentrer sur un seul texte selon vos besoins. Dans notre cas, nous allons nous concentrer sur un seul texte. Je clique donc sur « Scanner un seul texte ». Je vais maintenant copier l'article que j'ai écrit sur Worldofia et le coller dans la zone de texte prévue. Notez que je pourrais également récupérer l'URL de la page ou déposer un fichier si je le souhaitais. Il est important de cocher l'option « Intelligence artificielle » plutôt que « Plagiat » car ici, notre objectif est de détecter un texte IA. Une fois que tout est en place, il suffit de cliquer sur « Scanner ». Le nombre de crédits consommés dépendra de la longueur du contenu. Comme vous pouvez le voir, Lucid AI indique avec un score de 75% que mon texte a bien été écrit par un humain, malgré quelques passages plutôt basiques. Passons maintenant au texte généré par ChatGPT. Voici le prompt que j'ai utilisé. Prends le rôle d'un rédacteur professionnel et crée-moi un article de blog sur comment humaniser un texte ChatGPT. Mets-y 3 H2, quelques H3 et une liste numérotée pour structurer le tout. Essaie de garder un ton naturel et n'utilise pas de mots trop complexes. Varie aussi la longueur des phrases pour rendre le texte plus humain. Je veux un article de 500 mots. Je copie donc ce texte et le colle sur Lucid AI. Après avoir lancé le scan, Lucid AI me donne un résultat clair. Le texte a bien été généré par une IA avec une précision impressionnante. Encore une fois, cet outil ne manque pas de nous surprendre. Et voilà, à votre tour d'essayer Lucid AI pour détecter les contenus IA de manière efficace. Il vous suffit de suivre ces étapes simples et de laisser Lucid AI s'occuper du reste. Notez bien que le lien de Lucid AI est disponible dans la description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner à la chaîne. Activez également la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Ciao les amis !